Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, Dominique? Au niveau de son, ça passe? Très bien, très bien. Super. Super. Bah, écoutez, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Samedi Live. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Dominique Morel, qui est médiateur, formateur également, qui a un passé, puisqu'il exerçait avant en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, et qui est aussi très engagé au point de vue associatif, puisqu'il est engagé notamment auprès de la LICRA, il est le trésorier de la LICRA, et son délégué à la formation, cadre dans lequel il a aussi la possibilité d'exercer en tant que médiateur. Et si j'ai demandé aujourd'hui à Dominique de venir nous parler, c'est pour nous parler d'un ouvrage qu'il a rédigé et d'une matière qu'il a découverte ou inventée. Il nous en dira un petit peu plus dans un instant. La médiation préventive et de projet. Alors, bonjour Dominique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience et des raisons pour lesquelles vous êtes venu à la médiation et en particulier comment vous en êtes venu à inventer la médiation de projet et la médiation préventive? Bonjour à tous. Merci de poser la question comme ça. Je parlerai un peu plus tard du terme invention parce que je n'ai pas l'impression d'avoir inventé quelque chose. Mais peut-être de m'être penché de manière différente sur le conflit, sa nature, son utilité, tout ce que vous voulez. En fait, la première médiation que j'ai faite, que j'ai effectuée, c'était en 2003. Je ne savais pas que je faisais de la médiation. C'était sous l'égide du bâtonnier de Paris, puisque j'étais, en tant qu'expert comptable, j'avais une grosse clientèle d'avocats, et les avocats entre eux n'échappent pas au conflit. D'ailleurs, c'est un excellent exercice de formation parce que j'ai l'habitude de dire que quand des avocats sont fâchés entre eux, ils ne se parlent plus, ils s'écrivent « mon cher ami ». Quand un avocat appelle « mon cher ami » à l'autre avocat, c'est qu'il n'est pas en bon terme avec lui en général. Puis ils prennent des avocats pour s'exprimer à leur place et puis ça se fait sous l'égide du délégué du bâtonnier. Alors j'ai l'habitude de dire il y en a sept autour de la table parce que chacun prend deux avocats. Et moi, mon rôle, c'était de faire parler ceux qui veulent plus parler et puis faire taire ceux qui voulaient parler à leur place. Et de fil en aiguille, alors j'ai fait ça se passait au Conseil de l'Ordre, c'était un gros cabinet, il y avait plein de protagonistes, et j'ai découvert le conflit, et comme par hasard, on m'a inscrit sur la liste des experts assistants légués ou bâtonniers pour des arbitrages. Je ne savais pas, il faisait une vague confusion entre, enfin pas vague, elle était complètement totale, la confusion entre l'arbitrage, la conciliation et la médiation. Et j'ai reçu un papier pour me former à la médiation. Donc, j'y suis allé et ça m'a passionné. Je me suis structuré et j'ai beaucoup investi de temps sur ces aspects. La réputation s'était faite en matière de litige entre avocats ou de différents entre avocats. Et j'ai commencé à opérer comme ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les gens qui étaient rentrés en conflit n'avaient pas validé un minimum de choses avant de s'associer. Donc, j'ai commencé à travailler sur pourquoi les gens ne validaient pas leurs valeurs, définissaient pas leurs projets et se retrouvaient 2-3 ans après en train de, dans de graves différends à traiter. Et de fil en aiguille, j'ai bâti, élaboré un certain nombre d'outils parce que j'accompagnais des avocats dans l'esprit de la médiation quand ils se séparaient pas en tant que médiateur de certains de leurs confrères. Et puis, ils avaient des projets, je les ai accompagnés dans la création de leurs projets. Et c'est de fil en aiguille comme ça que j'ai été amené à élaborer progressivement un certain nombre d'outils de médiation avec une approche de médiateur. Qui m'a voilà
D'accord. Et donc, finalement, ça s'est trouvé, c'est presque un cheminement que vous, vous considérez comme naturel. Votre expérience d'expert comptable et la découverte de la médiation, vous êtes trouvé à la croisée des chemins et finalement, ça s'est fait de façon naturelle, c'est ça? Oui, avec quand même une orientation, parce que je discute, bien entendu, depuis le temps avec plein de médiateurs. On n'a pas tous la même conception de la médiation et du conflit. Il y a des praticiens de la médiation qui disent la médiation s'arrête quand on a résolu ou dépassé le conflit. Je leur dis souvent, quand on dépasse le conflit, qu'on se retourne, on le voit quand même. Hein. Et je considère que le conflit et la paix, ce n'est pas les mêmes ressorts, on en reparlera. Mais simplement, j'ai essayé de travailler sur l'utilité du conflit. En quoi le conflit peut être utile? Certains disent que c'est le seul moyen de faire évoluer les choses. Personnellement, j'en suis pas persuadé. Je suis même persuadé du contraire. L'expression de la colère est rarement bonne. Enfin, elle est inévitable, mais elle est rarement bonne. Elle est destructrice. Et donc, j'ai travaillé sur ces aspects de comment essayer de prévenir le conflit plutôt que de le subir et de voir comment on pouvait réparer. Il y a des fois, on peut rien réparer. D'accord. Donc, c'est vraiment une approche qui est très intéressante et c'est en ça que je pense quand même que vous avez découvert ou inventé la médiation de projet. Mais pour que les gens qui nous regardent et qui parfois ne connaissent pas bien la médiation, peut-être que ce qu'on peut rappeler, c'est que dans la conception classique, la médiation, elle intervient et elle est mise en place lorsqu'un conflit a éclaté pour principalement essayer de renouer le dialogue entre les parties. Et une fois qu'on a déjà réussi cette première étape, et en soi, la médiation, on peut être considéré comme réussi quand on a déjà permis de renouer ce dialogue. Dans la conception classique, donc l'idée, c'est qu'une fois que le dialogue est renoué, on essaye d'aider les parties par elles-mêmes à trouver un accord qui corresponde à leurs besoins. Vous, l'idée, c'est en réalité d'utiliser les mêmes outils, ou en tout cas une bonne partie des mêmes outils qu'on utilise dans ce cadre de la médiation classique, pour faire une médiation bien en amont, notamment lorsque des personnes ont un projet d'association, de créer une société par exemple, pour s'assurer qu'elles ont plus qu'une envie, parce qu'elles se trouvent sympathiques ou parce qu'elles se connaissent depuis 10 ans, de faire quelque chose en commun, mais qu'elles ont véritablement des valeurs communes. Enfin, vous avez développé toute une méthode qui permet de s'assurer que le projet sera pérenne à moyen et à long terme. Parce qu'on sait, enfin, je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent, mais malheureusement, les experts comptables et les avocats le savent, beaucoup d'associations ne durent que quelques années. Hein. Il n'est pas rare qu'une association dure 2, 3, 4 ans et que les gens ensuite se séparent plus ou moins en bon terme. C'était ça l'idée de base? C'était absolument ça l'idée de base. Et quand les gens disent « Est-ce que vous pouvez nous accompagner ?» on a un projet de s'associer ou on a un projet de créer une structure, est-ce que vous pouvez nous accompagner? J'ai petit à petit bâti cet arsenal, enfin le terme est assez impropre d'ailleurs, mais je leur ai demandé d'abord comment vous pouvez décrire votre projet. Simplement, à la fois sur ses aspects technique, qu'est-ce que vous diriez à des prescripteurs, à des banquiers, à vos clients, à vos fournisseurs, à vos relations? Et puis, comment vous le diriez à des proches? Parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon. À des professionnels, on parle plutôt de l'objet du projet. À des proches, on parle plutôt des craintes. Dans un professionnel, on dit plutôt ce qui va aller, ce qui va fonctionner, et à des proches ou à des amis, on dit j'ai peur que voilà. Bon. C'est intéressant, Dominique, je me permets de vous interrompre parce que pour que les gens comprennent bien, en effet, donc là on est à la première étape de votre méthode, la description du projet. Est-ce que c'est quelque chose concrètement que vous faites en aparté avec chaque, par exemple, futur associé? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites en plénière? Et puis, est-ce que vous le faites à l'oral ou à l'écrit? Comment ça se passe, ce travail intéressant sur le projet? À l'écrit, toujours à l'écrit. Ça nécessite un investissement de la part des protagonistes. Hein, ça, c'est pas... Mais d'écrire son projet, c'est toujours assez simple. Enfin, donc, je demande une quinzaine de lignes ou une page où les gens écrivent.
ce qu'ils mettent en commun, c'est ce qu'ils en diraient à des professionnels, parce que c'est un capital sur lequel ils ont réfléchi, travaillé, même commencé à communiquer. Donc ça, c'est assez simple. C'est plus compliqué pour, c'est pas public pour ce qui est la manière dont on décrit à des proches, mais j'en suis le dépositaire. Donc il y a des séances plénières et pour exprimer les craintes, j'ai des entretiens individuels et puis je pose la question, est-ce que vous pensez que je puisse le formuler à votre place de telle façon? Et il y a tout un questionnement, mais sur quoi vous basez pour dire qu'il est comme ci ou comme ça? Donc il y a une approche de révélation de ce que l'on est par rapport à l'autre à ce moment-là lorsqu'on décrit le projet. Il y a un sujet qui est fondamental sur le projet, c'est je fais travailler les gens sur quelle est votre proposition de valeur personnelle et comment vous pouvez dire en une phrase quelle est la proposition de valeur du projet. Et il faut qu'il y ait forcément harmonie entre la proposition de valeur du projet et la proposition de valeur personnelle, parce que sinon ça coince. Voilà. Et au niveau alors justement de ce terme de valeur, parce que aujourd'hui c'est un terme qu'on voit à toutes les sauces, mais là jusqu'où on va? Évidemment, en général, j'imagine quand on crée une société commerciale, le premier sens de la valeur, ça va être évidemment d'en tirer des bénéfices. Mais est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que ça va beaucoup plus loin, le travail que vous faites faire aux personnes concernées? Ça va beaucoup plus loin. Et le bénéfice, la valeur sur le sens pécunier du terme, ça intervient en dernier. Faire réfléchir les gens sur la proposition de valeur. Je vous pose une question, Martin. Allez. Quelle est la proposition de valeur de votre émission, là, samedi, en live? Je vais essayer de répondre, mais c'est difficile et c'est un process. J'ai l'impression que ça évolue au fur et à mesure. Mais évidemment, l'idée simple de base, c'est de faire connaître au plus grand nombre les solutions négociées, parce que je suis convaincu que la demande doit venir des personnes concernées si elles pensent que c'est une bonne chose pour elles et qu'elles ne sont pour l'instant pas assez informées de ces possibilités. Donc l'idée, c'est pour moi la valeur, c'est un accès non pas à la justice, mais un accès aux solutions négociées. Vous êtes complètement au point quand vous serez capable de résumer ça en une phrase et vous l'écrirez sur votre bandeau de samedi live. Vous voyez? Donc, voilà. C'est un chemin qui est compliqué. Oui. Pas compliqué, qui est complexe. Il faut arriver. Bon. Ensuite, je fais travailler sur les valeurs en général, pas les valeurs pécuniaires, les valeurs en général, où je fais travailler les gens, là encore, sur un descriptif, sur... pourquoi ils ont choisi ce métier, s'ils ont une référence professionnelle. Alors chez les avocats, s'il y a quelqu'un qui prend Pétinger comme référence professionnelle et un autre prendrait Collard, on sait vaguement qu'il y aura un problème à l'arrivée. C'est de la caricature, ça. Mais bon, je vais travailler sur l'argent. Qu'est-ce que représente l'argent en termes de voilà. Et là encore, qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur, qu'est-ce qu'un dossier, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce que la formation, jusqu'à l'utilité du conflit, qu'est-ce que la gestion, comment on manage une équipe, enfin, etc. Et donc là, les gens écrivent des verbatims, ils ne font pas des dissertations, mais en phrases courtes, ils expriment sur ces thèmes-là un certain nombre d'expressions. Et là, j'en fais trois paquets. Il y a tout ce qui est que je comprends facilement, qui me paraît cohérent entre tout le monde. Et c'est anonyme. Hein, quand ils sont deux, ce n'est pas anonyme très longtemps. Mais enfin, à cinq, ça devient déjà plus conséquent. Et ça constitue un capital commun qui aide à définir le projet. Il y a tout ce que je ne comprends pas, parce que je n'en comprends pas la formulation. Donc ça, j'en fais un paquet, puis les gens s'expliquent. Et tout ce qui, il y a un troisième paquet de tout ce qui peut poser problème, parce que l'expression est quand même très divergente. Donc du capital commun, tant mieux. De ce qui nécessite une explication, elle vient assez naturellement. Ou elle repart dans le capital commun, ou elle part dans la catégorie de ce qui peut poser problème. Et ce qui peut poser problème,
on essaie de trier ce qui est très important, ce qu'on peut vivre avec. S'il y en a un qui dit, moi, la gestion, ça me barbe, bon, c'est pas très grave si on ne le fait pas gérer. Donc, bon. Donc ça permet de que les gens qui semblent se connaître connaissent mieux certains aspects. Et je donne toujours cet exemple parce qu'il est vrai et vous allez comprendre la portée de tout ça. Je donne des exemples. Lors d'une succession, il y avait 4 collaborateurs qui travaillaient sous la responsabilité d'un avocat et qui décèdent et les collaborateurs décident de s'associer pour racheter les parts à l'ayant droit. Et il y avait des personnes qui se côtoyaient, qui se voyaient tous les jours. Et à la question de l'argent, il y en a une qui m'a écrit « L'argent sert à payer mon loyer, élever mes enfants. » Et une autre m'a dit « L'argent sert à me payer des sacs Hermès. » Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais il faut prendre la mesure de tout ça parce qu'il y a quand même un écart considérable entre les deux conceptions de l'argent. Oui. Donc, vous ne cherchez pas, en fait, à cette étape-là, vous pouvez chercher à la fois à mettre en évidence un manque de complémentarité. C'était peut-être l'exemple que vous avez donné sur la personne qui vous dit « je ne suis pas intéressé par la gestion ». Ça peut poser souci si personne n'est intéressé par la gestion dans le projet. Et inversement, sur certaines valeurs, on peut parfois s'assurer qu'on est aligné ou en tout cas que ça ne posera pas de souci si on ne l'est pas. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Et c'est de faire d'une communauté de valeurs à une communauté de projet. L'idée est là. Et après, le troisième outil que j'utilise, c'est des matrices SWOT, force, faiblesse, opportunité et crainte, où je fais travailler les gens sur comment ils voient les forces, les faiblesses, les opportunités et les craintes de leur projet, comment ils voient eux-mêmes les opportunités, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et craintes personnelles, et voir s'il y a de l'équation, faire une révélation de la adéquation de leur force faiblesse avec celle du projet, c'est un révélateur. Parfois, il y a des gens qui disent non, je me rends compte que ce projet, je ne pourrais pas le mener à bien parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Bon, alors après, il faut toujours lever l'introspection, mais ça évite. Et puis ensuite, encore plus délicat, si j'ose dire, comment ils considèrent l'autre, comment ils voient ses forces, ses faiblesses. Les forces et faiblesses du projet, là encore, c'est à mettre en commun immédiatement. La manière dont on se voit, on le met en commun, postérieurement, mais on le met en commun. Comment on voit l'autre, c'est un peu plus délicat. Et là, j'ai encore des entretiens individuels pour dire, mais j'ai des exemples qui consistent à dire, j'ai peur de découvrir quelqu'un de différent, de pas très engagé, et je leur demande, mais sur quoi vous vous basez pour affirmer telle position. Si la faiblesse présumée est corroborée avec la faiblesse exprimée par l'autre, ben, il n'y a pas de malentendu. Et sinon, moi, je lève les malentendus. Voilà. Ou je les exprime jusqu'au bout. Et quelles conclusions vous en tirez ? Bien entendu, ce n'est pas moi qui tire les conclusions. Je suis un révélateur, mais ce n'est pas moi de leur dire ne faites pas parce que... Bon. Et si, d'ailleurs, au terme de ce travail, le projet ne se fait pas, je considère que c'est une réussite, parce que j'aurais évité aux gens… Voilà. Oui, vous n'êtes pas le deal breaker, vous êtes plutôt celui qui va mettre en avant des potentielles failles qui seront telles que de toute façon, c'est la décision, j'imagine, à chaque fois des parties, hein, mais… elles peuvent s'apercevoir au cours du processus qu'elles ont plus de points en commun, plus de valeurs en commun qu'elles ne s'imaginaient, ou au contraire que leur chemin diverge et qu'il risque à un moment d'y avoir un souci, ce qui leur permet aussi peut-être de l'anticiper d'ailleurs éventuellement, ou si elles veulent quand même maintenir leur projet. Oui, mais elles sont moins prévenues. Elles ne découvrent pas les choses de gens après. Ce qui est très perturbant quand vous faites un processus de création de structure avec des associés, c'est de découvrir les gens 2 ans après, alors que là, c'est immédiat. Et puis, on peut dire, je peux vivre avec ça. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut travailler moins, on ne va pas lui reprocher de travailler moins puisqu'il avait prévu
dès le départ qui travaillent moins. Donc après, c'est d'autres types de questions qui sont aussi liées à la valeur. C'est comment on crée la valeur, comment on la capte et comment on la répartit. Ça, c'est le troisième aspect autour de la valeur. Donc, il y a la définition de la proposition de valeur qui est, à mon avis, essentielle, parce que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas l'étoffe pour remplir vos ambitions, c'est vous-même qui vous dites. Bon. Ensuite, qu'on partage tous ces items sur les valeurs au sens état d'être et ce qui fait... ce qui rejoint des valeurs de type universel. Il y a des gens qui sont partisans de valeurs de sécurité et on sent bien que les valeurs de sécurité ne sont pas les mêmes que les valeurs de dépassement de soi, mais là encore, c'est une prise de conscience. Et ensuite, il y a, dans un domaine où je t'ai plus à l'aise, là encore, c'est que la création de valeur, la captation de la valeur, c'est-à-dire comment vous facturez, qu'est-ce que vous facturez, comment vous valorisez, comment vous produisez, comment se crée la valeur, c'est des éléments qui s'enchaînent naturellement dans le projet. Et dans la définition, et là, on a déjà un outil relativement cohérent et complet qui va jusqu'au budget, qui est l'expression d'une politique et non pas des prévisions. Je trouve ça vraiment très, très intéressant, hein, cette approche. Et ce que j'aimerais en fait comprendre, parce que pour moi, c'est dans la façon dont je me le représente, puisque je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir mettre en place une médiation de ce type, c'est vraiment le basculement entre le moment où, en aparté, quelqu'un va pouvoir vous confier son projet, donc travailler sur sa description, et notamment la description à un ami, donc le moment où on pourrait faire part des craintes qu'on a. De la même façon, travailler sur les SWOT, donc notamment les forces et faiblesses de soi-même. Donc ça peut être difficile aussi à avouer à l'autre, mais aussi travailler sur les SWOT de l'autre. Et là, ça peut être encore plus difficile. Donc évidemment, j'imagine qu'en tant que médiateur, vous assurez de leur accord avant de partager en plénière, ou même vous les amenez eux-mêmes à partager ces éléments en plénière, en réunion plénière avec les autres. Mais c'est quand même le moment qui me paraît difficile finalement, puisque vous êtes un tiers impartial, neutre, indépendant en tant que médiateur. Donc les gens vont sans doute facilement se confier à vous. Mais comment s'opère ce basculement? Est-ce que dans votre expérience, finalement, ça se fait très facilement une fois que le travail est, que la pompe est amorcée en quelque sorte et que le travail est déjà entamé? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez par la formulation? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui demande un effort particulier au médiateur? Oui, il y a très important le questionnement et c'est des techniques de médiation. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi vous dites ça, je ne suis pas sûr que j'ai une réponse très précise. Si je vous demande bien, il vous dira parce que, on tourne un rond. Si, au lieu de dire pourquoi, on dit sur quoi vous vous basez pour exprimer ça comme cela, vous avez une formulation qui n'est plus du narratif ou une référence à quelques faits plus ou moins précis, mais à une réflexion qui a déjà eu lieu et qui est basé sur un constat qu'on peut formuler ou pas. Ensuite, il y a la deuxième question, mais c'est la même chose, j'y reviendrai sur le traitement de l'erreur, parce que c'est aussi très important, le statut et le traitement de l'erreur dans les organisations. Si vous dites en quoi c'est important pour vous, ou en quoi c'est pas important pour vous, déjà, on fait un tri. Et le travail du médiateur, en dehors de sa formulation, pour assurer la pertinence de ce qui est exprimé, c'est de dire, si vous aviez à lui formuler ça, sans que ça parte en vrille, comment vous le feriez? Donc, il y a un moment où on fait un travail de déconstruction de ce qui a été bâti pour partir vers une réalité beaucoup plus apaisée. Donc, c'est déjà un premier travail de médiation. Ensuite, si c'est compliqué pour la personne, qu'est-ce que vous m'autorisez à dire à votre place pour valider ou invalider? Donc, il y a parfois des allers-retours qui permettent au moins de clarifier les choses. Mais c'est un exercice qui devient assez naturel, avec un peu de technique et un peu de métier, ça, on rencontre ça dans la médiation de conflits, être capable d'absorber l'émotion de l'autre, son expression, et puis de travailler sur les canaux de communication qui ne sont pas les mêmes selon les individus. Ça, c'est une autre affaire.
Oui, mais donc, oui, c'est vrai qu'on va, on va se retrouver finalement dans une situation assez similaire au niveau de la reformulation à celle d'une médiation entre guillemets classique de contentieux, mais c'était pour que tout le monde comprenne bien ce que cela impliquait, parce que ça pourrait, comme ça, les gens pourraient se dire, oh là là, ça, ça peut me faire peur de faire surgir, d'exprimer des choses à mon associé que, je n'ose, que j'ose à peine m'avouer peut-être parfois à moi-même, ou que je découvrirais au cours du processus de réflexion sur mes valeurs et sur mon projet. Donc c'est vraiment, voilà, les outils sont là et il ne faut pas avoir de crainte ou d'appréhension par rapport à ça. Il est possible d'exprimer ses émotions et de les accueillir soi-même et de les faire accueillir à l'autre. C'est vraiment des outils qui existent et qui sont faits pour ça en médiation. Alors donc, pour résumer ce que vous nous avez dit sur votre méthode, évidemment, je ne vais pas entrer plus dans les détails, on ne va pas pouvoir aujourd'hui aller plus dans les détails, mais je remontre votre ouvrage qui est aux éditions Média et Médiation, disponible aux éditions Média et Médiation, La médiation préventive et de projet de Dominique Morel, pour tous ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Et vraiment, je conseille la lecture de cet ouvrage qui, à mon sens, est unique. Voilà, il n'y en a pas d'autre, donc ce n'est pas compliqué, lisez-le. Il est véritablement, c'est une pensée originale et unique et qui me paraît vraiment porteuse de beaucoup de choses et très, très utile pour prévenir notamment les conflits et pour tout simplement bâtir un projet quel qu'il soit. Et c'est justement la question que je voulais vous poser, vous, de votre expérience d'expert comptable et de commissaire aux comptes, qui interveniez notamment auprès d'avocats. Vous avez développé cette méthode et cette méthode de médiation de projet, notamment auprès d'avocats qui voulaient s'associer, bon, ou auprès de personnes qui voulaient s'associer, créer une société commerciale, par exemple. Mais est-ce que finalement, cette méthode, elle n'est pas transposable dans bien d'autres domaines? Est-ce qu'elle n'est pas transposable en matière familiale, par exemple? Est-ce qu'elle n'est pas transposable en matière de succession, de divorce? Est-ce qu'elle n'est pas transposable en matière de contrats entre partenaires commerciaux, pour notamment quand, lorsque la relation va durer, on peut imaginer des contrats de distribution où ça pourrait être utile. Est-ce qu'elle n'est pas transposable aussi en matière préventive pour tout ce qui est entreprise en difficulté? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi et est-ce que ça vous paraît être voilà, est-ce que votre méthode vous paraît transposable dans ces domaines? Alors, je crois que ma méthode, elle est transposable chaque fois qu'il y a une activité humaine et que les gens ont à collaborer ensemble sur un projet. Il y a des choses que je n'ai pas expérimentées, mais vous avez évoqué la famille ou les successions. C'est sûr que en face de gens en difficulté, je prends cet exemple, mais je ne l'ai pas expérimenté, mais je l'approcherai de cette façon-là. Qu'on fasse décrire à l'époux et à l'épouse en difficulté qui sont en train de divorcer, comment ils voient leur projet de vie après et comment ils voient leur projet de vie par rapport aux enfants et qu'est-ce qu'ils cherchent à travers le divorce, ce qu'ils veulent préserver, on est dans une autre attitude que de s'insulter et d'essayer de trouver des torts réciproques aux gens pour préserver un certain nombre d'intérêts. Et je crois que cette méthode, elle peut s'appliquer dans la connaissance qu'on a de soi-même et de la manière dont on exprime son agressivité, parce que j'utilise ça aussi. Et par contre, moi, je l'ai expérimenté dans d'autres domaines qui sont la conduite du changement ou la gestion de projet, une fois dans des sociétés très, très importantes, parce qu'une entreprise, c'est une organisation dans laquelle il y a de l'humain. Gérer des humains, c'est déjà un projet. Il y a des finances, c'est un projet. Il y a des marchés, comment on arrive à gérer un marché, comment on arrive à gérer une production, tout ça, c'est des projets. Et il y a un petit cousin sur lequel j'ai travaillé qui est la médiation anticipative des risques industriels. Quel processus de médiation on met en place pour que, quand on manipule des matières dangereuses, quand on manipule, on est dans un univers incertain, le message, il ne passe pas comme ça. Donc, il y a des méthodes de prévention. Il faut mêler des ingénieurs. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un… Et moi, je me suis centré sur l'organisation
Et petit à petit, parce que les choses ne se font pas aussi naturellement que ça, je dis souvent, une organisation, c'est un édredon à responsabilité. Et c'est un extraordinaire ressort à conflit interpersonnel. Et la proposition qu'offre la médiation pour les chefs d'entreprise, c'est d'essayer de répondre à quatre questions. Quel est le statut de l'erreur dans mon organisation ? Comment j'y fais face ? Est-ce que je la sanctionne ou est-ce que je mets en place des dispositifs pour la réparer ? Comment se construit la règle dans l'organisation et qu'est-ce qui fait dysfonctionner les gens entre ce qui est juste pour l'organisation, comment ça se définit, ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour mon cercle d'appartenance et pour les autres, c'est des techniques de médiation. Comment je gère l'agressivité dans les organisations, parce que ça, comment ça s'exprime et comment on travaille dessus, qu'est-ce qui fait l'énergie de la relation, voilà. Je me permets de vous interrompre là-dessus, justement, dans votre ouvrage, vous essayez de dresser une typologie de comportement, de réaction de personnes, d'agressivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça ? Oui. Parce que je vais dire pourquoi je pose la question, c'est parce que évidemment quand les gens vont venir vous voir, tout va pour le mieux, c'est la lune de miel en quelque sorte, en matière de médiation de projet évidemment, pas en matière de médiation de conflit, hein, mais donc tout va très bien et on a envie de se montrer sous son meilleur jour, mais on ne sait pas comment l'autre réagirait et vous proposez justement un travail sur l'anticipation de la réaction de l'autre. Oui, il y a des fois où ce n'est pas nécessaire, parce que l'expression d'agressivité, elle se fait même pendant l'exercice de la médiation. Donc là, le travail se fait naturellement. Puis il y a des gens, je le dis souvent, quand vous avez ce que j'appelle moi des expressions de pouvoir qui sont légitimes, il y a des fois on me dit, mais on ne va pas perdre son temps à essayer d'expliquer comment on dysfonctionne. Quoi. Donc, mais c'est intéressant, parce qu'au moins les autres savent que... Mais c'est particulièrement quand les gens s'entendent particulièrement bien que je vais faire cet exercice. Parce que entre une aide froide et silencieuse et puis une réprobation critique, il y a un pas qui n'est pas le même. Et il y en a des gens qui passent leur temps à critiquer, d'autres qui ne disent rien, mais qui explosent au bout de 6 mois parce que ça s'est empilé comme un mifeuille. Il y en a qui sont autodestructeurs, d'autres qui sont dans le sarcasme, d'autres qui sont dans l'irritation manifestée, d'autres dans le ressentiment, enfin... Et donc, je fais s'exprimer les gens, mais c'est valable dans une équipe. Vous faites fonctionner une équipe de 10 personnes, vous pouvez faire des exercices de dire, vous savez, dans tel type de circonstances, un tel, vous avez bien compris qu'il fonctionne comme ça. Donc, ça permet de repérer des signes avant-coureurs, et c'est très utile pour soi-même dans les relations qu'on a avec les autres, d'essayer, il y a des choses qui peuvent, très importantes qui peuvent me laisser de marbre personnellement, et puis des petits détails qui me font complètement dysfonctionner. Je crois que ma femme écoute la conférence, elle doit rigoler. Vous voyez. Donc, Ah oui, si la mienne écoutait, elle rigolerait aussi. On est tous, bien sûr, concernés. Et c'est vrai que du coup, c'est un moment finalement qui est à la fois l'occasion d'apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels on est amené à travailler, à collaborer ou à vivre, puisqu'on peut envisager aussi une transposition de votre méthode en matière familiale. Ce qui est d'ailleurs le cas, je sais que notamment des praticiens de processus collaboratifs s'interrogent aujourd'hui sur la transposition de cette méthode, donc de la méthode de médiation de projet en matière familiale. Est-ce que justement vous... Je vais revenir là-dessus parce que c'est un exercice qui est relativement rapide. Ça, c'est pas un truc... parler des valeurs, c'est long. Là, c'est chacun exprime... Il dit, je projette les 18... 18 manières. Et vous avez identifié, pour que les gens nous comprennent bien, dans votre ouvrage, vous avez identifié 18 typologies. Oui. Bon, évidemment, c'est voilà, évidemment, on peut être sur deux catégories. C'est pas une vérité absolue, mais c'est quelque chose qui permet d'aider. C'est des indications qui permettent d'aider.
chacun lit ça et puis trie, dit ça, je suis jamais, par exemple, je suis jamais cruel. Il y a des gens, d'autres qui sont cruels, d'autres qui restent dans l'amertume. Certains manifestent un esprit de contradiction poussé, alors que d'autres boudent. Enfin bon, donc c'est au moins qu'on se connaisse soi-même, on exprime dans quel type de circonstances on développe cette agressivité-là. Mmh. Et puis, l'autre répète, ben voilà, j'ai bien compris que quand il y avait ça, tu te comportais comme ça. Et puis, on fait des exercices croisés, ça va assez vite. Je demande aussi aux gens de décrire une colère qu'ils ont vue, dans laquelle ils n'étaient pas partie prenante. Généralement, ça fait au bout d'un moment quand les gens se marrent. Enfin, quand vous mettez des gens en colère, vous ne savez pas pourquoi ils sont en colère, le type, bon. Et je fais décrire une scène où on a été soi-même en colère. Et c'est sûr que là, on voit la déconstruction de la colère inutile. Je dis que c'est une zone erronée, hein. Nos émotions, on ne les gère pas, mais au moins, ça permet de les raccompagner à la cave, de ne pas les laisser envahir dans la pièce à vivre. Quoi, voilà. Bon. Oui, donc c'est vraiment un exercice très utile et qui doit apporter beaucoup aux premiers concernés qui parlent de leur propre expérience, mais qui se découvrent finalement peut-être à travers l'exercice. Vous avez, au travers de votre propos, un petit peu évoqué déjà tout ce qui est médiation préventive et notamment tout ce qui est prévention de ce qu'on peut appeler la réitération de l'erreur. C'est-à-dire qu'une erreur est commise dans une organisation. Voilà, qu'est-ce que vous proposez et quelle est la méthode que vous proposez pour éviter, au-delà du fait de savoir qui est responsable et quel est le sort qu'on lui réserve ou quelle est la sanction qu'on prononce à son encontre, quelle est la méthode qu'on met en place pour s'assurer que l'erreur ne soit pas réitérée? Et ça, vous développez pas mal sur cette méthode. Caricature. Mais souvent, en France, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais en France, il y a une erreur qui a été constatée. C'est première réaction, quel est le crétin qui m'a fait ça? Bon, le crétin, il n'a pas forcément envie de se montrer. Et quand si jamais on le convoque, il va tout faire pour expliquer que ce n'est pas une erreur et que ce n'est pas forcément sa responsabilité et que c'est parce que les circonstances, etc. Bon, puis on tourne en rond, ça dure 5 minutes. Le responsable est pas content et le responsable de l'erreur, enfin le responsable du service technique est pas content et l'auteur de l'erreur il est pas bien non plus. Il faut consacrer 2 heures à traiter avec un questionnement qui est propre à la médiation, inviter la personne et pas la convoquer, être assez factuel dans la manière dont on exprime les faits qui sont arrivés en disant, tu sais, on avait mis en place une procédure, tu ne l'as pas respectée, sur quoi tu peux, là encore, sur quoi, au lieu de pourquoi tu as fait ça, sur quoi tu peux revenir pour m'expliquer ce qui s'est passé. Et donc là, on laisse exprimer les gens tranquilles, on ne les juge pas, on ne les sanctionne pas. Et puis ensuite, une fois que ça s'était, en quoi tu penses que ce que tu as fait est important pour toi, en quoi c'est important pour moi, en quoi c'est important pour l'organisation, et ensuite, si tu avais à refaire, comment tu t'y prendrais, et ensuite, et si tu avais à expliquer ça à quelqu'un d'autre pour éviter que l'erreur se produise, comment tu t'y prendrais. Donc, ces 4 questions, en quoi, c'est l'équivalent du pourquoi dans la roue de la médiation. Le en quoi, c'est le sur quoi, c'est l'équivalent du quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Le en quoi, c'est l'équivalent du pourquoi. Le si, c'est comment. Et si, c'est comment dans la durée, quoi. Et puis, il y a une prise de conscience que les gens sont pas forcément. Voilà. Donc, ça prend 2 heures. Oui. Mais donc, il y a un cheminement par le questionnement qui est assez semblable à celui de la médiation classique, mais qui est quand même adapté. Et là, dans ce que vous disiez finalement, dans l'exemple que vous citiez, le médiateur n'était même pas présent.
C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place sans médiateur, sauf qu'en réalité, en cas d'erreur, souvent, malheureusement, les émotions et puis la peur de chaque... Enfin, oui, c'est les émotions, d'ailleurs, la peur que chacun voit sa responsabilité engagée ou que ça se retourne contre lui, fait sans doute que l'intervention d'un médiateur serait souvent plus qu'utile, très probablement. Oui, mais là, c'est un enseignement de la médiation. On fait rentrer l'esprit de la médiation d'entreprise et on dit aux responsables, voilà comment vous devez procéder si jamais une erreur se produit. Donc, il y a une transmission de savoir, d'expérience qui se fait assez naturellement. Et ça relève, non pas du miracle, mais si jamais quelqu'un a été violent ou a dit des propos déplacés vis-à-vis du pauvre malheureux qui a commis l'erreur, et je l'ai expérimenté en disant, si vous vous excusez en disant, écoute, pour moi cette affaire n'est pas réglée, mais j'aimerais pouvoir en reparler avec toi, et si j'ai été violent ou si tu considères que j'ai été maladroit, je te prie de m'en excuser, l'auteur de l'erreur, il est complètement surpris parce que la tonalité ne commence pas par on monte dans les tours et après on ne s'explique pas, mais on rentre dans une relation humaine qui est un mode de fonctionnement. C'est très, très riche sur le plan du fonctionnement des équipes dans les organisations. Sur le plan conjugal, si vous excusez d'avoir mal parlé à l'autre, c'est plus efficace que de dire « mais j'ai raison de t'insulter ». Ouais, bon, voilà. Bien sûr, oui. Ça paraît évident, sauf qu'en réalité, ça demande une expertise et des connaissances. Finalement, le fait d'appliquer un cadre, de respecter un cadre, c'est ce qui assure le succès de tous ces processus. Ça semble être des choses de bon sens quand on vous entend, mais c'est pour ça que j'en reviens quand même au fait qu'à mon sens, vous avez quand même découvert la médiation de projet et préventive. C'est parce que ça a beau être des choses de bon sens, ça demande quand même de respecter une méthode et d'avoir une certaine expertise pour y arriver. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous venez de nous dire, on peut donc envisager que des entrepreneurs ou les personnes responsables au sein de sociétés, d'organisations, se forment à ces méthodes pour pouvoir les appliquer elles-mêmes en interne, sauf à se trouver devant un cas qui dégénérerait et faire alors intervenir un tiers médiateur. C'est ça l'idée ? Mmh. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Et de créer un contact, moi j'interviens souvent après, le projet est lancé, ça fonctionne bien, et il y a une espèce de service après-vente où, tiens, on a, Dominique, on a cette question-là réglée, comment vous feriez pour quel fil conducteur vous nous donneriez pour régler ce type de situation ? D'accord. Pour que les gens comprennent bien, les gens qui nous regardent, qui peuvent venir de tous horizons, comprennent bien comment ça se met en place et combien ça va leur coûter, est-ce que vous pouvez nous donner un petit ordre d'idée ? Évidemment, chaque situation est différente, mais par exemple, pour une médiation de projet sur la création d'une société entre deux associés, combien de temps en général ça peut prendre ? Et combien ça coûte à peu près de mettre en place une médiation de projet ? Alors, sur deux associés, on parlera peut-être aussi de l'économie que ça fait, parce que si ensuite ça évite un litige énorme deux ou trois ans après, peut-être qu'il faut aussi mettre en comparaison le coût du préventif et de la prévention par rapport au coût. Et là, moi, je peux en parler en tant qu'avocat. Je peux tout de suite dire que quand les choses dégénèrent, ça coûte très, très cher. Ou au-delà des dégâts humains, bien entendu. Il y a une fourchette que je qualifie de forcément large, hein, mais à minimum, ça, pour deux associés, c'est environ 5 000 euros, ce qui correspond à 5 séances de médiation autour de 1 000 euros. Dans les médiations de conflits, je fais des séances de 3 heures, parce qu'au-delà, ça devient très compliqué pour moi à gérer, parce que la tension est extrême, la tension, le fait d'être attentif, pas le fait d'être tendu. Mais au bout de 3 heures, moi, je ne sais plus faire. Quoi. Donc, et je pratique un tarif de 950 euros, la séance de médiation. Donc, autour de 5 séances, on arrive à faire plein de choses, 5 000 euros. Et puis, parfois, quand il y a des questions qui s'expriment, qui sont plus d'ordre technique, d'approche de type budgétaire ou d'équilibre financier,
Bon, ça va un peu plus loin, mais entre 5 et 10 000 euros, on arrive à gérer très convenablement une affaire. Voilà. La première séance est toujours gratuite. C'est-à-dire que le travail d'éveil de conscience et non pas de conviction, d'éveil de conscience, de dire vous avez intérêt à faire cette médiation de projet, qui peut durer une ou deux heures, bien entendu, elle est offerte. Après, ça fait partie d'accord. Donc, c'est une séance au cours de laquelle vous présentez le processus aux personnes et vous vous assurez que ça va coller entre vous et entre elle et le processus, en gros. C'est ça l'idée ? Et j'ai remarqué, c'est pas pour prôner le mérite de ça, c'est que souvent, les gens qui sont exonérés en disant « Ouais, mais enfin, on peut mener ça, tout ça, tout seul, très bien, merci beaucoup », j'ai découvert que deux ans après, ils n'étaient plus ensemble. Donc, ils s'étaient associés sans faire ce travail, en pensant pouvoir maîtriser. Je crois que la pire des incompétences, c'est de ne pas connaître les limites de sa propre compétence. C'est vrai que vous dites que ça relève du bon sens. Oui, sauf que la maîtrise de bon sens, ne pas s'embarquer dans une émotion un peu débridée ou ne pas faire l'économie d'un certain nombre de choses qui paraissent évidentes et qui ne sont en fait pas, c'est la garantie du succès. Et puis, j'ai fait pas mal de projets où il y avait 5 à 10 protagonistes. Ben, c'est des additions qui peuvent monter entre 50 et 75 000 euros. Bien ça sûr. Paraît très cher, mais les gens qui ont utilisé ça, ils sont très contents de l'avoir fait. Bien sûr, quand les enjeux sont importants, c'est de toute façon ce qu'il faut vraiment que les gens qui nous regardent comprennent bien, et c'est une réalité, hein. Je ne dis pas ça, voilà. Je n'ai pas intérêt à le dire au sens financier, puisque moi je suis avocat et je fais beaucoup de contentieux, mais très clairement, un contentieux coûte beaucoup plus cher que d'avoir fait de la prévention en amont, et par ailleurs, un contentieux est très insatisfaisant. Même lorsque vous gagnez entre guillemets sur toute la ligne, il faut quand même bien comprendre qu'un juge est limité dans ses options, donc il ne va pas pouvoir créer une solution sur mesure, et ce n'est pas lui qui va vous inviter à travailler sur vos valeurs. Vos valeurs, il en a entre guillemets rien à faire, parce que ce n'est pas qu'il en a rien à faire, mais il peut rien en faire en tout cas. Et du coup, de toute façon, la solution qui sera posée par un juge dans un contentieux, elle vous sera jamais totalement satisfaisante. Donc, encourager le préventif, s'assurer bien en amont des gens avec lesquels on va travailler, s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et en tout cas qu'on connaît l'autre et qu'on l'accepte dans sa différence si c'est son souhait, évidemment, pour moi, ça n'a pas de prix. Et ça coûtera de toute façon réellement beaucoup moins cher qu'un contentieux par la suite, et ça prendra beaucoup moins de temps. Voilà, enfin, il y a tellement d'avantages à ça que voilà, votre méthode, quand on lit, on se dit c'est évident que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est parce qu'au moment où on lit votre livre, on est en position méta, on est tranquille, on n'est pas en train de penser à son propre conflit, chacun a des conflits, mais voilà, on pense au dossier de ses clients, et moi quand j'ai lu votre livre, je pense au dossier de mes clients, et je me dis, mais c'est sûr, c'est ce qu'ils auraient dû faire en amont, quel gâchis, quel dommage qu'ils n'aient pas fait ça, on en arrive à se détester, à se dire des choses, et à faire ressortir finalement le plus mauvais de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas travaillé sur le préventif, et ça, c'est vraiment dommage. C'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même et que finalement, on se surprend soi-même dans le conflit, mais on se surprend en négatif souvent. Hein. Et on est surpris aussi par l'autre, parce que l'autre va faire ressortir le plus mauvais de lui-même, très clairement, indépendamment des conseils qui peuvent graviter autour. Comment ? Vous me donnez l'occasion de préciser une chose qui est une évidence. Dans un projet, l'humain prend toujours le pas sur l'enjeu. Et les sujets prennent toujours le pas sur l'objet. L'objet d'un projet, c'est assez simple à exprimer. Mais tout ce qui concerne moi, l'autre, les autres, la manière dont je considère ces questions de valeur, la manière dont j'apprécie les risques, la manière dont j'apprécie l'utilité du conflit, c'est des sujets humains. Et quand on parle d'un projet, l'objet, je vais constituer une société qui va faire ça. Une fois qu'on a défini la proposition de valeur qui est la bannière publicitaire du truc,
et qu'on a présupposé que les gens qui sont autour sont compétents techniquement, la compétence relationnelle prend toujours le pas sur la compétence technique. Oui, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, la compétence relationnelle, et c'est pourtant quelque chose qu'on souvent on balaye ou qu'on d'un revers de main en disant c'est sûr, ça va coller, alors qu'en réalité, on devrait peut-être, sûrement même très certainement, creuser beaucoup plus cette question de la compétence relationnelle. C'était vraiment très intéressant. Nous arrivons maintenant un peu au terme de notre échange, parce que c'est passionnant tout ce que vous avez à apporter vraiment à l'ensemble des acteurs des solutions négociées et aux personnes concernées. Mais le format fait que nous avions une heure devant nous. J'aurais voulu vous poser une dernière question concernant votre vision du dialogue social au regard de l'actualité. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent dans l'actualité et sur l'évolution de notre société? Est-ce que vous avez une observation à nous faire par rapport à ça, Dominique? Oui, j'ai une observation et je vais revenir un petit peu en arrière sur la manière dont les uns et les autres considéreront le temps et comment ce temps, il y a une relation entre le temps et le conflit. Il y a des gens qui sont dans le temps court, des gens qui sont dans le temps moyen et d'autres qui sont dans le temps long. Et les temporalités, quand on anime des réunions, par exemple, je prends le cas du grand débat Gilets jaunes, par exemple. Dans quelle temporalité sont les gens? Je pense qu'ils sont tous dans le temps court. C'est-à-dire, dans le temps court, c'est je suis dans des postures, je détiens un pouvoir, je l'exprime, je suis dans des questions d'autorité et d'hiérarchie. Dans le temps moyen, on est sur la faisabilité. Quel est l'intérêt que j'ai à rentrer là-dedans? Est-ce que mon projet, je vais pouvoir l'assumer? Est-ce que j'aurai le financement pour le faire? Et quel intérêt ça va avoir pour moi? Et puis, dans le temps long, on est dans l'usage et l'utilité. Et dans les réunions, je participe à certaines réunions, à certains comités stratégiques. Moi, mon rôle est de regarder les gens et de me taire. Je suis là toujours parce qu'on me l'a demandé. Je vais rendre compte à quelqu'un. Mais j'essaie toujours de dire, de trier les protagonistes pour savoir dans quelle temporalité ils sont. Et pour les mettre tous en même temps dans la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des temporalités de temps court, des temporalités de temps moyen, est-ce que c'est faisable ou pas, et de temps long. Il faut toujours aller au temps long, parce que ce que me donne l'impression du grand débat, alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses constructives qui vont sortir de ça, mais ce que m'en ont retracé les médias, c'est que j'étais, excusez-moi la caricature, dans l'affrontement de deux arrogances. L'arrogance épistémique de celui qui sait ou qui pense savoir et qui décide en fonction de ce qu'il sait, et l'arrogance du crétin qui dit des choses sans réfléchir à la portée de ce qu'il raconte. Et que c'est très nocif au débat démocratique. Et dans la crise sanitaire, qui est la crise des valeurs saines, je pense, on est dans des affrontements d'experts dans la temporalité. Prenez le cas du masque, non pas sur sa genèse, mais on parle du masque et de son coût, ok. J'ai jamais vu à la télévision le moindre tutoriel de dire comment il faut porter un masque. Les gens l'ont sous le nez, etc. Il y a pas, et combien, on a l'impression qu'on parle du masque comme une espèce de l'usage, de l'intérêt, mais pas de l'usage. Quoi. Ouais, donc. Et on est dans une société où on est en déficit d'attention profonde et lente, et on est dans une espèce de foisonnement de pensées rapides et de surface. Et que les pensées rapides de surface sont en conflit, l'attention lente et profonde est porteuse de paix. Et on est dans une actualité qui constamment nous ramène dans des arènes de diatribe. Hein. Les gens, ils ne sont pas là pour essayer de faire avancer un débat, mais pour être dans la conviction qu'ils développent d'avoir raison. La conscience de l'autre et l'espace sacré du dialogue, qui est l'espace de la médiation, il n'a pas encore
trouver ce titre de noblesse, mais j'espère pour la société, notre société, qu'on va y arriver. Je rêve parfois, ça me fait penser ce que vous dites, je rêve parfois à des débats politiques où on appliquerait les méthodes de reformulation qu'on utilise dans les modes amiables, où on écouterait l'autre, on le reformulerait d'abord et seulement après l'avoir reformulé, on aurait le droit d'exposer son propre point de vue. Je sais que je rêve, mais ce serait un monde très différent sans doute. On devrait introduire le bâton de parole à l'Assemblée nationale. Oui, alors vous pouvez expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce qu'est le bâton de parole. C'est un objet symbolique algonquin, amérindien, quoi, où le responsable de la tribu, quand il avait une question à résoudre, il invitait, il ne convoquait pas, il invitait ceux dont il pensait qu'ils avaient une compétence pour traiter le sujet. Il leur disait, voilà, on a cette question réglée, et il tendait le bâton de parole, qui est un objet sculpté, enfin avec des plumes, enfin bon. Celui qui prenait le bâton de parole le prenait, s'exprimait avec un objectif, c'est d'être compris par les autres. Et puis, une fois qu'il avait cette conviction d'avoir été compris par les autres, il retendait le bâton de parole. Et celui qui prenait le bâton de parole reformulait ce que l'autre avait dit et il exprimait une idée nouvelle et enrichissante. Bon. Si on faisait ça à l'Assemblée nationale, je pense que soit les débats dureraient très très longtemps ou très 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 court. Oui, oui, en tout cas, ça changerait sans doute bien des choses. Eh bien, écoutez, en tout cas… Symboliquement, j'ai un bâton de parole sur ma table de médiation. J'ai un bâton de parole. Alors, c'est pas… J'ai peur que les gens se tapent dessus avec. C'est un galet dans lequel il y a oui ou non. C'est-à-dire que celui qui est titulaire de la parole, il met en face de l'autre non. C'est-à-dire que l'autre ne s'exprime pas. Et puis, il retourne quand l'autre peut s'exprimer. Voilà. Mais c'est des objets, le symbole est très important en médiation. J'ai déjà utilisé, moi aussi, dans des réunions amiables, en processus collaboratif ou en médiation, le bâton de parole. Et je ne sais pas si vous avez fait la même observation, mais finalement, la personne qui tient le bâton, là, c'est un surligneur, mais peu importe, ça pourrait tout à fait faire le… Ça pourrait tout à fait faire l'office de bâton de parole. La personne qui tient le bâton, finalement… N'abuse jamais de son temps de parole. Quelque part, elle est consciente justement de la responsabilité et rapidement, elle va le donner à l'autre personne. Et c'est aussi, finalement, ça a pas mal de vertus, ce bâton de parole. C'est tout à fait vrai. Et puis, ça permet de ne pas être dans ce qu'on appelle en communication l'intervalle rouge. Quand vous n'avez pas exprimé votre pensée, que vous êtes interrompu, ben vous n'écoutez pas ce que l'autre raconte. Et vous avez hâte de recommencer à formuler là où vous êtes arrêté, et de peur de ne pas être compris, vous recommencez depuis le début. Donc on est dans un dialogue de sourds, enfin qui n'est pas un dialogue d'ailleurs, c'est une espèce de voilà. Bon. Oui. D'où l'intérêt souvent de faire appel à un tiers qui, de sa simple présence, va finalement modifier les règles du jeu et de la communication. Et faciliter la véritable compréhension entre les personnes. Écoutez, Dominique Morel, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir partagé toutes vos connaissances et cette méthode que vous avez développée basée sur votre expérience à la croisée, comme je disais tout à l'heure, de vos connaissances et de votre expertise en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes et de votre découverte de la médiation. Merci vraiment beaucoup. Pour tous ceux qui sont intéressés, je remets votre ouvrage, j'espère que tout le monde peut bien voir. Donc ça s'intitule « La médiation préventive et de projet », Dominique Morel, aux éditions Média et Médiation, édition Média et Médiation. Et je vais aussi peut-être, si vous le permettez, donner votre mail et votre numéro de portable pour ceux qui seraient intéressés, soit parce qu'ils souhaitent se former, soit parce qu'ils ont des questions concernant votre méthode ou votre ouvrage. Est-ce que vous permettez que je donne du coup votre mail ? Oui, merci. Oui. Oui, alors votre mail, c'est dmorel, d comme Dominique, dmorel, M-O-R-E-L, @licra.org. Et donc je vais le répéter, dmorel@licra.org. Et votre téléphone portable, vous me permettez aussi de donner votre téléphone portable ? Oui. 06 03 95 32 93. 06 03 95 32
93. Merci beaucoup, Dominique. Je souhaite à tous ceux... Merci à vous. Je souhaite à tous ceux qui nous ont regardés de bien se porter et j'espère qu'on a convaincu le plus grand nombre, en tout cas de se renseigner déjà sur cette médiation de prévention, médiation préventive et médiation de projet et éventuellement de tenter l'expérience parce que c'est vraiment, à mon sens, un outil très, très, très intéressant et une idée toute bête, mais en réalité formidable, qui est celle qu'il ne faut pas attendre qu'un litige éclate pour s'en préoccuper. On peut s'en préoccuper en amont, donc pourquoi s'en priver ? Voilà. Merci beaucoup à tous. Oui ? Pas être convaincu, avoir éveillé les consciences. Oui. Merci, je vais travailler du coup sur mon pitch et ce sera ça, être convaincu et avoir éveillé les consciences. Merci beaucoup Dominique et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.